Amis internautes, bonsoir. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir deux personnalités, deux militaires dont l'intégrité morale est reconnue de tous, parce que nous avons besoin de voir un peu plus clair dans cet océan de mensonges dont nous abreuvent à la fois nos gouvernements et nos médias. Alors, pour faire un tour complet de l'actualité. Ce soir, j'ai invité le général Dominique Delavoye. Bonsoir, mon général. Bonsoir, Dominique. Bonsoir, Eric. Et bonsoir à tous vos auditeurs. Content d'être là avec vous. Et puis, merci. Nous avons aussi le privilège d'avoir le général André Goustou. Bonsoir, mon général. Bienvenue sur TV ADP. Bonsoir à vous et bonsoir à tous les amis de la France qui nous écoutent. Merci. Alors, l'actualité est dense en ce moment, messieurs, de l'Ukraine en passant par Gaza et jusqu'à l'Iran. On vit une période, on va dire, un peu agitée. Par quel sujet vous souhaiteriez commencer, l'Ukraine ou le Proche-Orient? Au choix, je pense qu'il faut garder le Proche-Orient pour la fin, parce que c'est le sujet le plus brûlant, peut-être. D'accord. Alors, Dominique, les observateurs objectifs, ceux qui ne sont pas dans la propagande, envisagent une chute de l'Ukraine prochaine. On a du mal à imaginer que ce pays puisse vaincre une des puissances militaires majeures du monde, même avec le soutien occidental. Pourtant, on continue à nous faire croire que il faut que l'Ukraine soit soutenue et qu'il faut lui envoyer de l'argent, qu'il faut faire des sacrifices, qu'il faut leur envoyer des armes, parce que ce serait une démocratie qui partage nos valeurs. Alors, moi, je ne dois pas avoir les mêmes lunettes que tout le monde, parce que je constate qu'en termes de démocratie, l'Ukraine intègre dans ses rangs des milices pro-nazis, néo-nazis. Et le gouvernement lui-même s'appuie donc sur ces organisations pour imposer sa loi. Est-ce que vous diriez que l'Ukraine est une démocratie? Alors moi, ma réponse est non, hein, mais là encore... Nos médias essayent de nous convaincre du contraire. Mais ma réponse est non. L'Ukraine n'est pas une démocratie dans la mesure où elle s'est attaquée depuis 2014 à une partie de sa population et qu'elle a bombardé ou elle a tué quand même un grand nombre d'Ukrainiens. Hein. Donc, quand on commence à tuer les membres de sa propre population, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein, et je ne vois pas de grande démocratie là-dedans. Et je me souviens en particulier du discours de Porochenko disant que tous les russophones devraient habiter demain dans les caves, qu'ils n'auraient pas droit à la retraite, que leurs enfants n'iraient pas à l'école, etc. etc. Bon, moi, ce n'était pas un discours très démocratique que j'entendais là. Hein. Et je comprends que ces gens se soient révoltés. Hein. Nous serions révoltés, nous aussi, Français, si on nous avait imposé le même genre de loi, hein, la loi du plus fort du moment, hein, et la loi du dictateur du moment, hein, qui s'appelait Porochenko à l'époque et qui a été remplacé depuis par Zelensky. Général Goustou. Eh bien, je rejoins ce que vient de dire mon ami Dominique Delavoye. J'irai un peu plus loin. Je dirais qu'on peut comparer l'Ukraine au Kosovo. Car trop souvent, les spécialistes de plateau commencent l'histoire de l'Ukraine à partir du 24 février 2022. Mais le Kosovo est aussi démocratique que l'Ukraine et aussi corrompu. Je suis personnellement
abonné à une association qui s'appelle Solidarité Kosovo. Et de ce fait, je sais très bien qu'il y a une véritable épuration ethnique contre les populations, les quelques enclaves serbes qui existent encore au Kosovo. Le Champ des Mers était quand même le cœur historique de la Serbie. Donc, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas un État démocratique. Tout à fait d'accord. Bon. Alors, si ce n'est pas un État démocratique, compte tenu de ce qui se passe, c'est quoi, à votre avis ? Un État mafieux. Pardonnez-moi, j'ai déjà... Pardon ? J'ai déjà fait une page de publicité sur d'autres médias. Au risque d'être redondant, quand on a lu cet ouvrage, on comprend beaucoup mieux ce qui se passe sur la planète en général, et en Ukraine, et en Europe, et au Kosovo en particulier. On voit très bien que le pouvoir est dans les mains de personnes, ou de personnages, ou de communautés que nous connaissons bien, comme diraient certains, et pour qui la vie d'une personne n'a pas plus de valeur que la photo de la personne. Pour eux, l'argent commande tout. Et à vrai dire, la mafia est infiltrée partout. D'ailleurs, quand j'ai lu le livre de Jean-François Guéraud, j'ai suggéré à son auteur d'écrire le même genre de livre en remplaçant Maison Blanche par un autre site que nous connaissons bien, qui est plus près de chez nous. Car je suis convaincu, après avoir lu combien tous les présidents des États-Unis, sans exception, étaient sinon impliqués, du moins tenus par la mafia, je suis convaincu que rien n'a changé aujourd'hui et qu'il en est de même chez nous. Voilà. Donc, cette grille de lecture nous permet de comprendre ce qui se passe, quel que soit les têtes d'opération, me semble-t-il. Oui, oui, total accord avec ce que vient de dire André. Hein. Je sais aussi, enfin, je n'ai pas seulement l'intime conviction, hein. J'ai des données d'observation, parce que j'ai été dans le cœur du système états-unien pendant 3 ans. Hein. J'ai plus que l'intime conviction que le monde est gouverné par une petite poignée de gens qu'on appelle, que certains appellent l'État profond. En fait, c'est pas seulement l'État profond, hein. Ce sont des gens organisés, des gens qui ont un pouvoir financier énorme et qui tiennent par les couilles, on va le dire, hein, de manière un peu crue, qui tiennent par les couilles les dirigeants de la planète, hein, et qui leur imposent ce qu'ils doivent faire. Et je suis convaincu aussi, comme vient de le dire André, que ce qui est vrai aux États-Unis est devenu vrai chez nous. Ça ne l'était peut-être pas il y a encore qu'une dizaine ou une vingtaine d'années, ça l'est devenu chez nous aujourd'hui, hein. C'est-à-dire que notre gouvernance actuelle, notre exécutif, est tenu par les couilles et ne fait pas du tout ce qu'il devrait faire. Il ne défend pas l'intérêt du pays, il défend l'intérêt de ses sponsors, hein, de ses sponsors qui sont liés à la finance apatride, à des gens très puissants, hein, qui tiennent non seulement les politiques en les faisant plus ou moins chanter, hein. Il y a eu tout un tas de documentaires très précis et argumentés qui ont été tournés là-dessus, hein. Je veux parler par exemple du film documentaire filmé par Al Jazeera en caméra cachée qui s'appelle The Lobby. The Lobby tient la politique britannique, il tient également la politique américaine, hein, il tient les grands politiciens, et en plus, ils tiennent les journaux, et les journaux qui sont
qui permettent à la fois de promouvoir les gens qu'ils le souhaitent voir arriver au pouvoir et à détruire les gens qu'ils veulent surtout pas voir arriver au pouvoir. Donc cette mafia, hein, qui est basée sur la finance apatride, hein, on va dire, hein, tient le monde entre ses mains en faisant chanter les chefs d'État, les politiques aussi, les députés, les membres du Parlement, du Congrès ou du Parlement français, hein, c'est pareil, ou du Parlement britannique, c'est pareil. On est exactement dans la même configuration et ces gens-là gouvernent la planète pour l'instant jusqu'au moment où un retournement de situation peut survenir. Espérons. Oui, alors, je te rejoins tout à fait. C'est l'argent qui commande tout, nous le savons. Nous savons aussi que les juges rechignent à traiter de deux thèmes que sont le blanchiment de l'argent de la drogue, mais aussi une autre activité pas plus reluisante qui est la pédocriminalité. Et pourquoi ? Parce que l'argent gagné par ceux qui profitent de ces crimes est tellement important que les auteurs ont ont le pouvoir de vie ou de mort, et donc les juges sont mal à l'aise. Et j'ai appris récemment que la pédocriminalité, alors ça va depuis le vol, l'achat, la consommation des enfants dès le plus jeune âge, la prostitution et le trafic d'organes. De manière très courte, c'est tout le circuit qui rapporte énormément d'argent. Et là encore, au plus haut niveau, beaucoup de ce qu'on appelle les élites sont touchés, sont impliqués. Une magistrate que je connais bien, qui a écrit il y a 20-25 ans un livre qui s'intitule « Le viol des anges », c'était la pédophilie gentille enfermée, si je puis dire, excusez-moi, hein, me disait qu'à l'époque, 10% des magistrats déjà pouvaient être impliqués. Mais qu'aujourd'hui, c'était au moins le double. Mais aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de pédophilie, il s'agit de réseaux. Et là, il y a aussi des exemples concrets qui sortent de plus en plus dans le public avec des gens qui sont très courageux comme Morad El Atam, comme Dalila, comme Marion Sigaud, comme Christine Bouillon, pour ne citer que les personnes que je connais et qui ont des preuves formelles. Et elles se sont d'ailleurs, pour certaines, exprimées publiquement sur Internet. Oui, oui. D'ailleurs, nous en avons reçu un certain nombre parmi ceux que vous avez cités, mon général. Bon, alors évidemment, le tableau n'est pas reluisant. Général Koussou, vous disiez, pour ce qui concerne l'Ukraine, que c'est un État mafieux. Or, à partir du moment où on dit État mafieux, on dit organisation criminelle. Et vous dites que ce système-là s'est propagé pratiquement dans tout l'Occident. En clair, tous ceux qui nous gouvernent sont liés de près ou de loin à cette organisation mafieuse qui gère le monde au-dessus de leur tête. Est-ce que c'est bien ça que j'ai compris ? Oui, alors, je ne suis pas un journaliste d'investigation, mais je lisais il y a peu que la fortune de Charles III repose sur un grand nombre de ce qu'on appelle les paradis fiscaux, pour ne citer qu'un exemple. Et aujourd'hui, il est difficile de parvenir au pouvoir si on n'est pas aidé, mis en place et maintenu par cette oligarchie internationale. Je crois que le meilleur exemple, c'est celui de notre président. D'ailleurs, ce qui me choque le plus, que l'homme soit coupable, c'est une chose, mais je considère comme co-responsable ceux qui l'ont mis en place et qui le maintiennent, y compris, je dis bien y compris, ceux
qui, tels des courtisans, cautionnent son action, parce qu'il n'est pas possible qu'il ne sache pas ce qui se passe. Voilà, donc c'est tout un ensemble qui est tenu. Pourquoi ? Parce qu'ils sont eux-mêmes mouillés, ils sont eux-mêmes impliqués. Et d'ailleurs, si certains osaient parler, ils disparaîtraient rapidement du circuit. On n'a jamais de preuves formelles sur lesquelles des suicidés se sont effectivement suicidés, sauf quand même, lorsqu'un suicidé se tire deux balles dans la nuque. Il y a des gens plus performants que d'autres. Bon, donc, pour répondre plus précisément à votre question, je n'ai pas de preuve formelle sur chacun des états de notre groupe, et même d'ailleurs, il y a des états qui sont carrément des états mafieux. Actuellement, je crois que c'est Haïti qui fait la une de l'actualité, autant que je me souvienne, mais c'est un phénomène qui est répandu sur quasiment toute la planète. Oui, je partage également ce point de vue. Hein. En tout cas, l'Europe et le monde occidental, lui, est mouillé jusqu'à la tête. Hein. Il y a plus que la tête qui est encore qui sort de l'eau. Quoi. Nos dirigeants sont tous mouillés, hein, mais on les voit d'ailleurs. Ils font chorus sur tous les sujets. Ils sont d'accord sur tout. Hein, des fois, ils réagissent avant même que les choses se passent. Hein, ils ont déjà ils récitent leur partition avant même que les événements se produisent. Hein, donc, c'est cousu de fil blanc. Hein, nos dirigeants qui sont tous aussi passés par les mêmes écoles de formation anglo-saxonnes. Hein, c'est-à-dire les Young Leaders. Regardez le nombre de Young Leaders qui se trouvent à la tête des États européens aujourd'hui. Hein, bon, la bonne nouvelle, c'est que le chef du Forum économique mondial, là, Davos, Klaus Schwab, est aujourd'hui en difficulté, semble-t-il, sur le plan de sa santé. Donc, en voilà déjà un qui va peut-être nous quitter bientôt. Il a l'âge, hein, il a 87 ans, hein, donc il est grand temps qu'il nous quitte. Ça en fera un de moins, mais il aura probablement un successeur qui sera peut-être encore pire que lui, et surtout plus jeune, avec des idées novatrices, hein, dont je crains qu'elles soient peut-être encore pire que celle de son maître Klaus Schwab. Alors, pour aller dans le sens que tu dis, du rajeunissement du cheptel, un avocat qui est également un ami, qui a travaillé pendant presque un demi-siècle contre la corruption, qui connaît bien le sujet, me raconterait que du temps d'Al Capone, on savait où étaient les gens de pouvoir, où étaient les mafieux. Sauf qu'aujourd'hui, les descendants d'Al Capone sont passés par Harvard. Et ce sont eux qui sont à la tête de bien des banques sur la planète. C'est-à-dire que la mafia est aux commandes même d'un certain nombre de banques. Ceci peut expliquer cela. Oui. Vous parlez des descendants d'Al Capone ? Les descendants. C'est-à-dire les mafieux d'aujourd'hui. Les Al Capone d'aujourd'hui, on va dire. Ceux qui... Les mafieux d'aujourd'hui. Les mafieux d'aujourd'hui. Al Capone n'était pas homo, donc il a dû avoir des descendants. Donc, il était capable de bien les conseiller pour qu'ils fassent des études qui les amènent au poste de direction aujourd'hui, les descendants ou les petits descendants. Bon. Alors, pour revenir sur l'Ukraine et établir un lien avec le droit international, les médias nous racontent que la Russie est l'envahisseur, l'agresseur, et naturellement occulte tout ce qui s'est passé avant. C'est un peu comme
avec Gaza. On parle du plus grand pogrom de l'histoire, qui évidemment m'afflige comme tout le monde, mais je suis beaucoup plus affligé par les centaines de pogroms qu'ont subi les Palestiniens depuis 75 ans et qui n'ont pas suscité de d'émotion. Là, on est quand même en train de soutenir un État qui est un État mafieux, vous l'avez dit, dont les principales activités financières sont liées à la pédocriminalité, au trafic humain, à toutes sortes de business glauques. Et pourtant, on nous explique qu'il faut continuer à envoyer de l'argent à ce pays et à son gouvernement. Alors, je vais vous poser la question crûment. Moi, j'ai un peu l'impression qu'on assiste à une solidarité tribale vis-à-vis du gouvernement ukrainien. J'ai moins l'impression, si vous voulez, que cet argent aide l'État ukrainien qu'il n'enrichit ses dirigeants qui détournent l'argent, qui s'achètent des résidences luxueuses partout dans le monde. À votre avis, est-ce que l'opinion publique occidentale, qui est en train de se faire racketter pour le plus grand bonheur du gouvernement ukrainien, combien de temps va tenir comme ça, Dominique? On peut pas fixer une date, hein, mais ce que je constate quand même, c'est que tous les jours, les gens commencent à réaliser que les choses sont pas tout à fait conformes au narratif que les médias leur disent. Nos médias sont en train de chuter en termes de confiance, d'indice de confiance. Les gens n'ont plus confiance dans les médias et se rendent bien compte qu'on leur raconte des sornettes aujourd'hui. Donc, ils commencent à ouvrir les yeux sur beaucoup de sujets, et en particulier, ce qui a permis d'ouvrir les yeux des gens, c'est l'affaire de Gaza. Là-bas, parce que également beaucoup de personnalités éminentes de la communauté juive ont raconté la vérité, on dit les vérités au monde entier, beaucoup de gens sont en train d'ouvrir les yeux et de se dire « mais attends, qu'est-ce qu'on est en train de nous faire faire ?» On est en train d'assister à un génocide à Gaza, on est en train, et ils font le lien, parce que les choses sont liées, ce qui se passe en Ukraine, et ce qui se passe à Gaza, ce sont les mêmes individus qui sont derrière et qui tirent les ficelles. Ce sont les mêmes. Les maîtres du monde dont on vient de parler, ce sont les mêmes. C'est pas pour rien d'ailleurs que Monsieur Zelensky était numéro un au palmarès de l'influence du Jérusalem Post en 2022. Et qu'il était aussi par un étrange hasard, numéro un du Time. C'était l'homme de l'année pour The Times. Donc, on voit bien que tout ça, c'est cousu de fil blanc, et que ceux qui dirigent les affaires en Ukraine sont les mêmes que ceux qui aujourd'hui se font la guerre aux Palestiniens en Israël. Ce sont les mêmes. C'est la même communauté qui s'est mobilisé à la fois en Ukraine et au niveau mondial. Aux États-Unis, c'est pareil. Ce sont eux qui dirigent le Congrès. Avec l'America Israel Public Affairs Committee, ce sont eux qui dirigent le Congrès. Et au Congrès, les membres du Congrès sont surveillés. S'ils disent un mot de travers contre Israël, ils ne seront pas réélus parce que les milliardaires qui sont en arrière-plan de l'AIPAC vont mettre de l'argent pour détruire par les médias qu'ils contrôlent. Par les médias qu'ils contrôlent, ils détruiront les gens qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe en Israël. Ça explique pourquoi le président Biden
il n'a pas le choix, hein, il est obligé d'obéir à ses maîtres, parce qu'il a des maîtres, et que ses maîtres sont liés à l'AIPAC, America Israel Public Affairs Committee, hein, et on les appelle les néoconservateurs, et regardez qui sont ces néoconservateurs, hein, regardez leur généalogie, regardez d'où ils sortent, et vous vous apercevrez qu'ils ont des liens extrêmement clairs avec l'AIPAC. Hein, ce n'est pas moi qui ai dit les lobbies pro-Israël, c'est-à-dire l'AIPAC, avaient dirigé la politique étrangère des États-Unis. Hein. C'est le plus célèbre des géopoliticiens américains qui s'appelle John Mearsheimer. Hein, cet homme-là a écrit un livre en explicitant par le détail comment le lobby pro-Israël dirigeait les États-Unis et par conséquent le monde. Parce que quand on a les États-Unis dans sa poche, quand on a le Congrès américain dans sa poche et le président américain dans sa poche, on a le monde dans sa poche. Et ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe aujourd'hui au Proche et Moyen-Orient, hein, et ce qui se passe, ce qui se passera peut-être demain et qui commence déjà à se passer demain en mer de Chine, ce sont les mêmes qui pour l'instant ont encore les manettes du monde. Hein, reste à savoir s'ils vont les garder longtemps, parce que le monde, la population mondiale commence à ouvrir les yeux et à se dire il y a quelque chose qui ne va pas dans ce monde et il va falloir en changer. Donc il y a des forces très importantes qui existent aux États-Unis comme chez nous d'ailleurs. L'opinion publique européenne, elle est quasiment... Hein, l'opinion publique européenne, ça y est, hein, est convaincue aujourd'hui. Alors, peut-être pas encore dans sa majorité, parce qu'il y a encore un paquet de naïfs qui se laissent endormir par les médias mainstream, mais les médias mainstream sont en chute libre. Hein. L'indice de confiance, je l'ai dit au tout début, est en chute libre, et donc ça va mal se terminer et pour les médias et pour ceux qui dirigent aujourd'hui, hein, qui tiennent le haut du pavé aujourd'hui et qui ne tiendront pas forcément le haut du pavé demain. Alors, l'aide à l'Ukraine que vous évoquiez au début est un véritable problème presque cornélien. Nous savons que la moitié de l'aide à l'Ukraine est détournée au profit de certains. Le problème, c'est qu'il y a un énorme drame que sont les 400 ou 500 000 morts ukrainiens. Et le carnage continue. Le 24 février 2022 a débuté l'opération spéciale. Un mois après, je ne suis pas un géopolitologue des plateaux télé, mon diagnostic était simple. J'ai dit que le grand gagnant de cette affaire serait le business américain, que le grand perdant serait le peuple ukrainien et que le cocu dans cette affaire serait le monde occidental avec la France en pole position. Eh bien, nous y sommes. Il n'y avait pas besoin de faire une analyse très, très acérée. Or, la population souffre. L'armée ukrainienne, d'après ce que nous dit notre ami Dominique, a été renouvelée pour la troisième fois. Et ce peuple est exsangue. Alors, est-ce qu'il faut aider l'Ukraine? C'est compliqué. Parce que si on veut aider la population, on est obligé de passer par des intermédiaires, et on sait que cette aide est détournée. Sinon, bon, on ne peut quand même pas la laisser mourir de faim. Et c'est un peu le même problème à Gaza d'ailleurs. Donc, en Ukraine, il y a une énorme hypocrisie, mais le jour où le commanditaire, ou celui qui a voulu la guerre, dira stop, et il me semble que ce jour approche, avec les élections américaines par exemple, à ce moment-là, la guerre s'arrêtera. Et c'est, comment dirais-je, il y a une autre possibilité, c'est que le président ukrainien disparaisse. Je ne lui souhaite pas de mal, mais si le président Zelensky disparaissait, je pense que le soufflet retomberait. En tout cas, et de l'Ukraine, oui, mais pas dans n'importe quelle condition. Alors, ce qui me navre, c'est qu'un certain nombre de Français sont partis là-bas
de bonne foi pour aider l'Ukraine, le régime, la population, les commanditaires, n'en sait rien. On a vu dans un média, je ne qualifierai pas de concurrent, professionnel d'armes, un article sur tous ces Français qui étaient partis là-bas. Beaucoup avaient envie d'en découdre. Ils étaient bardés de tatouages, d'insignes, pour certains très marqués. Certains, il y avait de bonnes choses. Mais tous, en fait, étaient les objets, les dindons de la farce, car ils ne sont même pas conscients de par qui ils sont manipulés. Voilà, donc c'est très difficile. Et au lieu d'aider à l'échelon gouvernemental, avec des moyens militaires, dont on pourra parler, parce que les moyens fournis à l'Ukraine, qui ont été préservés sur nos forces, l'ont été de manière illégale et en contradiction flagrante avec l'article 411.3 de notre code pénal par lequel nous interdisions de le faire. C'est-à-dire que la France était interdite d'affaiblir sa défense en donnant des moyens prélevés sur elle, mais nous l'avons fait sans vergogne, parce que le président a voulu que le président foule au pied la Constitution chaque jour et que personne n'ose ne pas obéir à un ordre manifestement illégal, comme la circulaire Palagos l'intime à tout soldat. On a le devoir de ne pas obéir à un ordre manifestement illégal. Là, il n'y a pas de solution. Si on obéit, on tombe dans l'illégalité. Donc, cette aide à l'Ukraine ne doit pas être aveugle. Il est mieux valu en son temps tout faire pour éviter que cette guerre ait lieu. Montesquieu disait, je cite de mémoire, ce n'est pas celui qui déclare la guerre qu'il faut condamner, ou plutôt, si on peut condamner celui qui déclare la guerre, on doit encore plus condamner celui qui l'a rendu inévitable. Nous sommes en plein dans le sujet. Alors, que celui qui l'a rendu inévitable la fasse cesser. Oui, mais on constate, et si vous êtes sur les réseaux sociaux un peu comme moi, en ce moment sur Twitter, toute personne proche du pouvoir macronien plaide en faveur de l'aide à l'Ukraine, en faveur de l'aide à une démocratie qui partage nos valeurs, qui est, comment dirais-je, le mur protecteur contre le déferlement russe qui nous attend si jamais ce barrage tombe. Mais depuis 3 ans, avec l'opération Covid, on assiste à tellement de dérèglements, à tellement de... On voit bien que le droit n'a plus cours dans notre pays, que nous ne sommes pas une véritable démocratie. L'état de droit est mort en France. Donc le gouvernement fait absolument ce qu'il veut, et même si les décisions qu'il prend vont à l'encontre de la loi, il les prend quand même. Par contre, à nous, simples citoyens, on nous demande d'obéir et de nous soumettre scrupuleusement à la loi. Mais je vous pose la question en tant que militaire. Est-ce que, objectivement, je connais ta réponse, Dominique, mais nos internautes ne la connaissent peut-être pas. Est-ce qu'on peut considérer que la Russie est un ennemi? Est-ce qu'on peut considérer que la Russie nous menace? Est-ce qu'on peut imaginer, comme ont tendance à le faire croire toute la classe politique française corrompue sur les réseaux sociaux et dans les médias, que si le mur protecteur ukrainien tombe, les prochaines victimes sur la liste, c'est nous? Non, mais tout ça, c'est du pipeau, c'est du narratif pour gogo, pour bonnet, hein, mais ça marche, hein, on arrive à convaincre les braves populations et à leur faire peur, hein, on leur fait peur sur tout d'ailleurs, on leur fait peur sur le climat, on leur fait peur sur la guerre mondiale toutes les 5 minutes avec ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient, et puis bien sûr avec la Russie. Donc la Russie est présentée comme
le vilain petit canard depuis des années et des années. Bon, moi, je suis allé en Russie, hein, récemment, au mois de mars, j'ai rencontré un peuple qui me paraît tout à fait paisible, des gens qui vaquaient leurs occupations comme chez nous dans nos villes, qui allaient à l'église plutôt davantage que nous. Hein, j'ai trouvé des églises pleines avec des gens qui étaient là pour prier ou pour chanter. Hein, donc, je n'ai pas eu le sentiment qu'il y ait la moindre haine des Russes envers l'Union européenne et encore moins contre la France. Hein. Quand vous rencontrez un Russe, même d'extraction modeste, ce Russe va vous... Quand il sait que vous êtes français, il arbore un large sourire et il est plutôt francophile et il dit « Ah, Normandie-Niémen !» C'est même les gens modestes savent ce qu'est Normandie-Niémen et la solidarité qu'il y a pu y avoir entre les Français et les Russes à cette époque-là. Hein, c'est pas si vieux que ça, hein, c'était au cours de la Deuxième Guerre mondiale. J'observe d'ailleurs que les Russes se sont battus à nos côtés en 1914, qui se sont battus aussi à nos côtés lors de la Deuxième Guerre mondiale, donc ils ont fait les deux guerres mondiales dans notre camp, et que finalement, hein, si on évacue les narratifs à la gloire de l'Amérique qui serait venue nous sauver, la Deuxième Guerre mondiale a été gagnée grâce au sacrifice de millions de Russes. Hein, ce sont les Russes qui ont gagné la Deuxième Guerre mondiale, au point que lorsqu'on faisait des sondages, l'IFOP les a dans ses archives, lorsqu'on faisait des sondages à la fin de la Deuxième Guerre mondiale et qu'on demandait aux Français de l'époque qui a gagné la guerre, les Américains, les Anglais ou les Russes. Les trois quarts des Français de l'époque répondaient les Russes. Ils savaient à l'époque que les Russes avaient gagné la guerre. Et là, grâce à Hollywood, grâce au jour le plus long, à des films, on a réussi à nous convaincre aujourd'hui et à faire changer l'opinion. Aujourd'hui, quand on demande à un Français qui a gagné la Deuxième Guerre mondiale, ils vous diront tous, ce sont les États-Unis qui sont venus nous sauver. Hein, c'est pas tout à fait le cas. Hein, ils n'auraient pas pu nous sauver si les Russes ne s'étaient pas sacrifiés par millions sur le front de l'Est et n'avaient pas tenu en respect la quasi-totalité ou 80% de l'armée allemande sur le front de l'Est. Hein. Donc, ce qu'on nous raconte aujourd'hui, l'histoire est écrite par les vainqueurs. Hein, et les vainqueurs aujourd'hui s'arrogent à eux seuls le bénéfice de la victoire de 45. Bon, il faut quand même se souvenir que les Russes à cette époque-là, en tout cas, n'en voulaient pas à l'Europe et on jouait le jeu même au moment de 1990 quand l'Empire s'est effondré. Ce sont les Russes qui ont accepté la réunification de l'Allemagne. Sans leur acceptation, l'Allemagne n'aurait pas été réunifiée. Hein, donc, que voulez-vous dire? Vous voulez convaincre aujourd'hui les jeunes, la jeune génération qui n'a pas vécu cette période-là? Hein, je rappelle que M. Macron, il avait 20 ans en 1980, en 2000, je veux dire. Hein. Donc, il a pas vécu toute cette période post-guerre, il l'a pas vécu, il était pas né. Hein. Et ce sont ces gens-là qui vous expliquent que la Russie constitue une menace. Bon, le général Cousteau comme moi-même, on a fait la guerre froide, hein, et on savait ce que c'était que l'ennemi rouge. Hein, à cette époque-là, je veux bien croire qu'il y avait une possibilité de menace de l'armée rouge de l'époque, mais qui n'avait pas le même volume, la même dimension, les mêmes budgets que l'ont aujourd'hui l'armée russe. Hein. L'armée russe aujourd'hui est une armée qui n'a pas les moyens aujourd'hui d'attaquer l'Europe. Elle a les moyens de gagner en Ukraine et elle va le faire, elle va gagner en Ukraine, mais elle n'a pas les moyens d'attaquer l'Europe et elle n'en a aucun intérêt, aucune envie. Qu'est-ce qu'ils vont s'encombrer de gens qui aujourd'hui
sont dans la déviance culturelle, hein, qui sont dans le wokisme, qui sont dans tout un tas de choses qui ne leur plaisent pas. Les Russes, ils sont, c'est pas leur tasse de thé, tout ça. Donc, ils veulent pas s'encombrer de nous, hein. Et ils veulent surtout pas s'encombrer d'États en faillite, hein. Et aujourd'hui, l'Europe est en faillite, et en particulier la France. La France est en faillite. On va le voir. Les données du FMI vont être données dans quelques jours. Et puis, les agences de notation vont noter notre dette. Eh bien, on va bien voir ce qui va se passer dans quelques jours, au mois d'avril. Je crois que c'est le 18 avril. Donc dans très peu de jours, on va avoir le bilan de notre de la gestion extraordinaire faite par Monsieur le Maire et faite par Monsieur Macron. Hein. Bon, on verra bien qui est en faillite et qui ne l'est pas. Mais la Russie, elle n'est pas en faillite. Hein. Pour revenir à ce que tu disais, je crois qu'il y a deux chiffres qui sont très révélateurs. Les Américains, je crois, ont perdu de l'ordre de 420 000 hommes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je n'oublie pas les 9 000 tombes des GI qui sont alignées à Colville, en Normandie. Du côté soviétique, c'est entre 26 et 27 millions. Alors, il faut faire la part des choses. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas spécialement pro ou anti-russe ou américain, je suis pro-français, c'est clair. Mais je constate que nous sommes un quasi-protectorat américain. Et j'aspire à ce que la France s'émancipe, redevienne souveraine, non pas pour devenir un protectorat russe, bien sûr, mais qu'elle soit souveraine. Donc, il n'y a aucune raison de faire allégeance à l'un plutôt qu'à l'autre. Et personnellement, je ne crains absolument pas que Vladimir Poutine vienne se baigner à Saint-Malo, du côté de là où j'habite. Qu'est-ce qu'il a à faire de venir jusqu'ici? Il faut d'abord qu'il envahisse le Liechtenstein. Donc, il n'est pas arrivé encore. Hein. Bon, soyons sérieux. Il a suffisamment à faire. Il a tout ce qu'il lui faut. Et c'est nous plutôt qui avons besoin de la Russie. Et nous n'avons aucune raison que la Russie soit notre ennemi. Nous devons au contraire retisser des liens. Alors on sait bien, et Dominique le sait encore mieux que moi, les Américains ont tout fait pour séparer la Russie de l'Europe et pour diviser l'Europe, en particulier parce que l'Europe économiquement réunie, ça pèse autant que les États-Unis. Alors imaginez l'Europe plus la Russie, c'est insupportable pour les États-Unis. Voilà, donc il faut toujours se poser la question de savoir à qui ça profite. Hein. Le sabotage des mainstream 2 dans la mer nord de l'Europe, hein, n'a pas eu de conséquences néfastes pour les Américains. Au contraire, ça leur a profité. Puisqu'on nous a dit surtout n'achetez pas de gaz russe. On nous vendra le nôtre, le gaz de schiste, 3 ou 4 fois plus cher. Mais aujourd'hui, quand je fais le plein de mes cuves à fioul, mon livreur me dit que ça vient de Moscou, enfin de la Russie, pardon, en passant par l'Inde. Donc tout ça, c'est une grande hypocrisie. Nous sommes les dindons de la farce. Nous n'avons aucune raison d'avoir dans le collimateur la Russie. Je pense que Vladimir Poutine, qui est un joueur d'échecs, est assez intelligent pour comprendre qu'entre nos gouvernants et le peuple français, entre lesquels il y a une grande marge, il y a une différence considérable. Donc Vladimir Poutine n'a aucune raison d'en vouloir à la France en tant que telle. Et plus vite nous serons débarrassés de la bande de traîtres qui nous gouvernent, et plus vite nous serons libres et nous nous sentirons mieux. Pardonnez-moi de parler aussi brutalement, mais je crois que TVLP, vous êtes capable d'entendre ce genre de choses. Oui, oui, ben, TVADP est favorable à la liberté d'expression et nos invités sont connus pour leur franc parler. Alors, je veux encore dire quelques mots sur l'Ukraine et puis après, on va passer au sujet principal.
nous avons, nous constatons que ce soit le gouvernement ou les médias, tout est fait pour préparer l'opinion publique française, tout est fait pour la conditionner, pour la mettre en situation d'affronter une guerre de haute intensité. On prépare l'opinion comme si un événement dramatique allait nous tomber sur la tête. On a vraiment l'impression, comme vous le disiez, mon général, qu'il y a une cassure entre ceux qui nous gouvernent et les Français, parce que les Français ne veulent pas d'un affrontement avec la Russie, mais nos gouvernements nous donnent l'impression de le vouloir absolument. Et Macron se comporte un peu comme un garnement qui insulte, crache, menace. Le président russe allant jusqu'à prendre le risque d'envoyer des militaires qui, paraît-il, sont présents sur le terrain. Et la chance que nous avons, c'est qu'en face, nous avons un homme raisonnable, sage, patient, stratège, qui fait tout pour éviter le cataclysme mondial. Mais Macron n'est pas tout seul. Le ministre britannique est dans la même logique aussi. L'allemand Scholz est exactement dans le même type de comportement guerrier, suicidaire. Alors, pourquoi nos élites veulent absolument nous entraîner vers l'abîme alors qu'elles savent, je parle des gouvernements, qu'ils savent que les peuples sont opposés à ce que nous vivons avec la Russie. Les citoyens ne considèrent pas les Russes comme des ennemis, mais au contraire comme des amis, comme des proches, comme des frères. Nous partageons le même continent, la même culture, la même histoire, mais nous avons au pouvoir des va-t-en-guerre qui veulent absolument entraîner le pays vers un suicide, parce que ce serait un suicide, mon général, non ? Oui, moi je suis pas inquiet là-dessus. Hein. Je pense qu'il s'agit beaucoup plus de gesticulation, de bluff. Hein. On essaye de faire peur à Poutine, mais Poutine, il connaît exactement l'état de toutes les armées de l'OTAN et l'état de l'OTAN dans sa globalité. Il sait très bien que si l'OTAN avait eu les moyens d'agir, il l'aurait fait. Donc s'il ne l'a pas fait, et s'il a commencé d'ailleurs à se débarrasser de ses munitions au profit de l'armée ukrainienne, ce qui l'a affaibli encore davantage, il sait très bien que l'OTAN n'a pas du tout envie de faire la guerre aujourd'hui. Ni d'ailleurs en Ukraine, ni à Gaza. On voit Biden freiner des quatre fers hein, pour éviter un embrasement du Moyen-Orient. Hein, il n'a pas du tout envie de la guerre. Et s'il n'a pas envie de la guerre, c'est tout simplement... Il sait très bien qu'il n'est pas armé pour la faire convenablement. Hein, donc, moi, je ne crains pas du tout. Je pense qu'il s'agit davantage de posture électorale. Il veut jouer à Napoléon au pont d'Arcole, hein, notre président. Hein, et un peu avant les élections européennes, à mon avis, il est en train de se planter. C'est-à-dire qu'aux élections européennes, on va voir. Hein, moi, je regardais les actualités télévisées tout à l'heure dans Régional, hein, où on voyait l'une des têtes de liste des soutiens de Macron aux prochaines élections européennes, et les commentateurs étaient obligés de constater que la campagne des suppôts de Macron, ça marchait pas si bien que ça, quoi. Et même aux actualités télévisées, on nous a dit, hein, ça a pas l'air de marcher très fort, hein, pour... Eh bien, moi, j'attends de voir le résultat, mais je pense, enfin, j'ose même espérer, bon, qu'il y a quand même une coalition de quatre partis qui le soutient. Peut-être qu'à quatre, ils vont dépasser les 5%, mais c'est même pas sûr. C'est même pas sûr. J'attends de voir le résultat, hein, mais il y a cinq ans, ils avaient fait 10% des inscrits aux élections européennes. C'est-à-dire la coalition de tous les soutiens, les partis qui soutenaient Macron, avait fait 10% des inscrits. Ils avaient fait un peu 5 millions à peu près de voix aux européennes. Et bien là, s'ils en font la moitié,
ça sera déjà bien. Hein, donc, on va voir. Hein, on aura le résultat dans 6 semaines ou 8 semaines. Hein. On verra. Mais moi, je suis optimiste. Hein. Il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas d'engagement, tout simplement, parce qu'on n'a pas les moyens. Et alors, je voudrais quand même dire une chose là, qui a circulé sur les réseaux sociaux et qui n'est pas exacte. C'est-à-dire la présence de troupes françaises à Slaviansk. Et on nous parlait du 3e régiment d'infanterie de Légion étrangère. Alors, ce que je voudrais dire, moi, c'est que le 3e régiment d'infanterie de Légion étrangère, ça n'existe pas. Il existe un 3e régiment étranger d'infanterie qui se trouve actuellement en Guyane française et qui a pour charge de surveiller ou de protéger nos installations spatiales à Kourou. Hein, donc, et c'est un régiment qui est plus spécialisé dans le combat de jungle que dans le combat de haute intensité. C'est un régiment où il n'y a pas les spécialistes dont il nous parlait sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire des spécialistes d'artillerie, il n'y en a pas là-bas. Hein, donc, la nouvelle est une fake news. Hein, peut-être y a-t-il un ou deux Ukrainiens qui ont servi au 3e RUI en Guyane et qui ont été rendus à la vie civile et qui se trouvent maintenant avec des écussons du 3e RUI à Slaviansk en tant que mercenaires. Mais il n'y a pas d'unité constituée militaire française. Et d'ailleurs, ça n'est reconnu ni par les agences de presse russes, c'est-à-dire TASS, ou Sputnik ou Russia Today, ça n'est pas reconnu hein, comme étant un fait avéré. Ce sont des rumeurs qui circulent, mais qui ne sont pas. Alors, je dis pas qu'il n'y ait pas 2-3 mercenaires français ou même 10 ou 15 à Slaviansk. Je ne dis pas ça, mais je dis que le 3e RUI, il est actuellement en Guyane. Il n'a pas été rapatrié parce que s'il avait été rapatrié, ça se saurait. Hein, donc, il est toujours là-bas hein, et il n'y a pas une unité du 3e RUI qui serait venue rapatrier de Guyane pour aller faire la guerre à Slaviansk. Voilà. D'accord. Donc, je tiens à démonter cette fake news. Ça n'est pas une nouvelle véritable. Avéré. Non, mais tu as bien fait de le préciser. Concernant la nucléarisation de la situation, moi je ne crois pas parce que tout le monde serait perdant, c'est clair. Personne n'a intérêt. Alors maintenant, pour le reste, qu'est-ce que nous pouvons faire là-bas? Nous savons depuis longtemps que la France n'a pas les moyens d'engager le combat sur le terrain face aux Russes. D'ailleurs, lorsque notre président a dit que l'envoi de troupes de sol n'était pas exclu, ou une hypothèse qui n'était pas exclue, il y a eu un tollé de la part de tous les pays européens, de l'OTAN et même des États-Unis. Et finalement, j'ai déjà dit merci M. Macron, parce que ainsi, Vladimir Poutine sait que les Occidentaux n'ont pas envie de le rencontrer sur le terrain, de se battre contre lui. Donc il suffit qu'il déroule tranquillement ce qu'il a projeté de faire, et on restera là. Alors, ensuite, même si nous engagions, ça montrait bien que nous avons 3 jours de munitions et que nous pourrions tenir sur quelques dizaines, peut-être 80 km de front. Ça fait quand même un peu léger, surtout face à une armée qui est engagée très partiellement depuis maintenant 2 ans et qui a eu le temps de s'aguerrir, de renouveler ses personnels et en fait de faire, je dirais pas un entraînement avec grandeur, mais vraiment de se militariser sur le terrain. Nous n'avons pas les moyens. Et puis, qui a envie d'aller guerroyer en Ukraine parmi les Français? Je dirais même parmi nos militaires. Je n'ai pas de chiffres exacts, mais j'ai suffisamment d'informations pour savoir que nombre de nos militaires n'aspirent absolument pas à aller là-bas. D'ailleurs, c'est une raison peut-être parmi d'autres pour lesquels le recrutement est un peu en panne et l'évasion de certains de nos officiers est plutôt en hausse. Ce qu'on leur offre aujourd'hui n'est pas très exaltant, car au-delà du
de l'opération Sentinelle ou de la sécurisation des JO, aller se battre en Ukraine n'est pas l'idéal pour lequel un Saint-Syrien, au départ, s'engage dans l'armée. En tout cas, ce ne serait pas le mien et je ne vois pas ce qu'on va faire là-bas, puisque l'Ukraine, il faut-il le rappeler, ne fait pas partie de l'Union européenne, n'était pas dans l'OTAN, n'avait pas d'accord de défense avec nous et que là-bas, nous n'avions pas d'intérêt majeur, contrairement aux États-Unis, dont 30 à 50% des terres à blé ont été acquises par certains de leurs ressortissants. Voilà, donc nous n'avons rien à faire là-bas. Il est mieux valu en son temps ne pas tricher et faire en sorte que certains accords de Minsk, par exemple, soient respectés, car franchement, j'ai honte pour la France quand j'entends dire par notre ancien président que l'accord de Minsk n'était que de la poudre aux yeux. C'était pour gagner du temps. Il a répété ce qu'a dit Mme Angela Merkel. Comment voulez-vous que nos gouvernants soient encore crédibles sur la scène internationale? Bon, donc Vladimir Poutine va faire ce qu'il a projeté de faire sans nous demander notre avis. Je pense que nous ne pourrons guère nous y opposer. Bien. Merci, mon général. Alors, on est à 58 minutes d'émission. J'aurais bien voulu que tu dises un mot, Dominique, sur les élections en Russie. Il me semble que tu y étais, non ? Oui. Bon, rien à dire, hein, si ce n'est qu'elles étaient très, très bien organisées. Moi, j'ai eu l'occasion donc de visiter une dizaine de bureaux, quoi. De vote dans la région de Saint-Pétersbourg même et sa banlieue. Bon, un bureau, c'est comme chez nous, hein, c'est à peu près 1500 électeurs, hein, entre 1400 et 1600. Les procédures sont à peu près les mêmes que chez nous. C'est surveillé, bien sûr, par caméra, hein, pour éviter l'urne en particulier et particulièrement surveillée. La protection aux abords des bureaux de vote, il y en avait très peu. Hein. À Saint-Pétersbourg, il y avait un soldat débonnaire qui faisait les 100 pas loin devant le bureau, hein, donc qui regardait si il y avait une quelconque menace. Mais en interrogeant les gens, beaucoup de gens nous ont dit d'habitude, je vote pas Poutine. Mais cette fois-ci, je vais voter Poutine parce que nous sommes en situation de guerre et que c'est le chef qu'il nous faut pour passer le cap. Et parce qu'il a bien géré le pays depuis 20 ans. C'est lui qui a redonné à la Russie sa fierté. Donc, ces gens-là ont été jusqu'à changer leur bulletin de vote pour le mettre pour Poutine. Et ils nous l'ont dit en discutant avec eux. Alors, il s'agissait bien sûr de gens qui parlaient l'anglais, mais beaucoup parlent l'anglais et certains même parlent le français. Donc, on arrivait à communiquer avec les gens qui étaient là. Donc, moi, je n'ai aucun soupçon ni sur le taux de participation qui est élevé, mais parce que le vote s'est allé sur 3 jours de 12 heures, 36 heures, ils votent. Nous, on vote en France, on vote pendant 10 heures. Eux, ils votent pendant une durée qui est 3,6 fois plus importante que la nôtre, ce qui facilite la fluidité et permet à un maximum de gens d'organiser leurs agendas pour aller voter. L'étalement sur 3 jours, qui avait été initialement fait pour la période Covid, pour éviter les attroupements aux abords des bureaux de vote, hein, ils ont trouvé qu'à l'époque, ça faisait exploser la participation et donc ils ont maintenu le système des 3 jours qui se passe vraiment très bien. Hein. Donc moi je n'ai aucun doute ni sur le résultat qui était attendu. Hein. Tous les sondages le disaient à l'avance. Hein. La victoire de Poutine était très largement attendue, hein, comme elle l'avait été d'ailleurs. Mais à un moindre degré, hein, Poutine a pris par rapport aux élections de 2018, il a pris une bonne dizaine de points, hein, de plus.
Mais ce qui s'explique par la guerre. Hein, la guerre, en temps de guerre, les gens se regroupent autour du chef et tentent de passer le guet, quoi, de passer l'obstacle, ensemble. Bon. Alors, je n'étais pas en Russie, mais je pense qu'on ferait bien de balayer devant notre porte. Ouais. Quand j'entends certains responsables, médias, politiques, ou même militaires parfois, critiquer la manière dont les élections sont passées en Russie, comment ça s'est passé chez nous? Quelle est la légitimité de notre président aujourd'hui? À quoi ont servi les machines à voter? J'en passe et des meilleurs. Bon, alors, les Français commencent quand même à y voir un peu clair, parce que qu'est-ce qui va bien chez nous aujourd'hui? Quelles sont les courbes à succès de notre président? Il y a des courbes qui sont en progression. Je pense à la courbe de la dette. Je pense aux finances publiques, je pense au nombre de crimes et délits, d'attaques, le sentiment d'inquiétude hein, qui grandit quand même, la surpopulation des prisons, tout le reste va mal, à part ces courbes-là. Bon, alors, il faut être sérieux. Hein. Il a été élu une deuxième fois, et je ne citerai pas de nom, bien sûr, mais quelqu'un qui a été très haut niveau dans l'armée, me disait à propos de l'élection de notre président, un coup de maître, les bras m'en sont tombés et j'ai changé de sujet. Voilà, donc regardons d'abord ce qui se passe chez nous. Hein. La tricherie, le mensonge est chez nous. D'ailleurs, nous ne sommes pas anglo-saxons, mais notre ami Uri Branca, dans l'ami américain, dit bien que le mensonge et le mode de gouvernance habituel des anglo-saxons. Nous en faisons partie pour ce qui est de la tromperie du peuple. Je rappelle quand même que le peuple détient la souveraineté nationale au nom de l'article 3 de notre Constitution, et que nos gouvernants, au premier rang desquels notre président, qui devrait protéger le peuple en respectant la Constitution, ignore et se moque complètement de l'un et de l'autre. Dans les élections, d'ailleurs, j'ai de plus en plus de gens autour de moi qui me disent « Mais à quoi bon aller voter ?» Effectivement, on se pose la question à chaque fois. Les Russes, apparemment, se posent moins la question. D'ailleurs, le taux d'abstention est un signal très clair de ce que les Français sont désabusés, découragés. Alors, il faut quand même les mobiliser. Il ne faut pas qu'ils baissent les bras. Il faut se battre. Mais ce n'est pas avec des élections ou avec des manifs qu'on fera changer les choses chez nous. Je partage votre avis. Alors, j'aimerais qu'on en vienne au sujet principal de l'émission. On va y consacrer 26 minutes, si vous voulez bien. Gaza. Alors, il y a une chose qui me frappe, c'est que l'Occident revendique sa position de donneur de leçons en matière de droit international, en matière de droits de l'homme, en matière de convention de Genève. Nous sommes ceux qui écrivons les règles et qui les imposons à tous les autres, mais qui ne les respectons pas nous-mêmes, puisque dans le cadre d'Israël, on constate que Israël est un État qui a été condamné plus de 100 fois par des résolutions de l'ONU, le condamnant pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, des résolutions qui n'ont jamais été respectées, le développement des implantations, malgré les engagements qu'Israël prend internationalement, sont maintenus, elles se développent. Les Palestiniens voient leur territoire grignoter de jour en jour. Là, on assiste à un pogrom, le plus grand pogrom du siècle. Hein, je reprends l'appellation officielle des médias mainstream et de nos gouvernements. Israël a vécu le plus grand pogrom du siècle, et à ce titre, il s'arroge le droit donc de ne respecter aucun droit international, aucune règle, aucune valeur humaine.
on massacre tout le monde, on tire dans le tas sans se demander qui est qui. Alors on nous fait croire qu'Israël combat le Hamas, que le Hamas serait une espèce de mouvement islamiste fanatique qui voudrait envahir le monde. Bref, comme disait Michel Collomb, dans une guerre, la vérité est toujours la première victime. On assiste quand même à une campagne de propagande mensongère de très haut niveau. On essaye de faire passer un État terroriste pour une véritable démocratie, pour un pays qui partage les mêmes valeurs que nous et qui serait lui aussi, comme par hasard, un autre mur contre la barbarie d'une autre partie de la planète. Alors, est-ce que vous comprenez le soutien... Pardon, je veux finir. On nous reproche d'importer le conflit israélo-palestinien sur le sol français. Mais est-ce que ce n'est pas Emmanuel Macron qui le premier a importé le conflit en apportant justement un soutien inconditionnel à Israël en faisant même le déplacement si ma mémoire ne me trahit pas, pour apporter son soutien personnellement à l'un des pires criminels de guerre qui est dirigé Israël. Est-ce que vous, en tant que militaire, vous comprenez ça? Est-ce que ça ne heurte pas votre conscience d'homme? Moi, pour moi, je l'ai déjà dit à maintes reprises, j'ai vécu dans la région, je connais bien toutes les parties en cause, et je connais bien les ressorts des uns et des autres. Et je connais toutes les vexations qu'ont pu endurer les Palestiniens depuis 75 ans. Donc, j'ai pu assister et voir de mes yeux ces exactions commises contre eux. Je rappelle que je suis allé là-bas à deux reprises, que j'ai passé à peu près 2 ans, et que je suis arrivé là-bas en étant pro-israélien. J'étais pro-israélien. Et en moins de 6 mois, j'avais changé d'avis, et l'ensemble des hommes de mon bataillon avaient changé d'avis, et l'ensemble des hommes des 8 bataillons de l'ONU qui se trouvaient au sud du Liban et qui avaient vu de leurs yeux et entendu ce qui se passait là-bas, avait changé d'avis aussi. Et c'est peut-être grâce à ça, d'ailleurs, qu'on a autant de gens qui, aujourd'hui, soutiennent la Palestine en France, parce que beaucoup ont été soldats là-bas et ont pu voir ce qui s'est passé. Et j'entends par soldats des chefs, des colonels jusqu'aux plus modestes soldats, ils avaient tous changé d'avis. Donc voilà pour ça. Alors l'affaire qui nous occupe aujourd'hui, qui est plus qu'un pogrom, on est dans le cadre d'un début de génocide, on va dire, c'est-à-dire d'une élimination systématique d'une population civile. Pour la plupart, 80% des morts sont des civils qui sont tués en raison de leur appartenance au monde palestinien. On ne veut plus de Palestiniens, il faut donc les terroriser, donc tuer leurs femmes, tuer les enfants, de manière à ce que les hommes eux-mêmes fassent comme ils ont fait il y a 75 ans au moment du massacre de Deir Yassin, c'est-à-dire qu'ils s'enfuient, qu'ils prennent leurs jambes à leur cou et qu'ils quittent ce pays pour toujours. C'est ce que veut Israël. Pour obtenir ça, ils se sont fondés, et pour démarrer ce massacre, ils se sont fondés sur une fake news, un faux narratif, qui est le narratif du 7 octobre 2023. Ils ont sorti d'abord des chiffres qui montaient jusqu'à 1500, pour les rabattre un peu après jusqu'à 1100, mais ce qu'ils ont oublié de dire, alors, ils ont dit, bien sûr, qu'il y avait des bébés qui avaient été éventrés, jetés vivants dans des fours, etc. Bon, cette affaire-là a été complètement démentie
y compris par nos médias mainstream. Le journal Le Monde vient de pondre un article il y a quelques jours où il dit qu'effectivement c'était une fausse rumeur et que ces faits-là ne se sont jamais produits. Mais il le dit un peu tard. Et pourtant, Meir Habib, député de la République, continue à affirmer ce mensonge. Lui, c'est un menteur diplômé, patenté, assermenté. Hein. Il ment comme il respire depuis le début sur cette question-là. Il pleure devant les caméras, mais en racontant de fake news. C'est une fake news qui a été considérée, qui aujourd'hui est considérée comme fake, dans le monde entier. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que sur les 1100 morts, près de la moitié, et peut-être davantage, ont été tués par les forces israéliennes qui venaient pour attaquer les Palestiniens. Donc, des hélicoptères sont arrivés, ont tiré dans le tas et ont tué de la vie même et du témoignage même des Israéliens qui se sont exprimés dans les médias israéliens. Donc tous ces témoignages ont été rassemblés. Donc il ne s'agit pas de 1100 personnes, mais en fait peut-être de la moitié, c'est-à-dire d'environ 500 personnes. Bon, et on nous a fait croire que tous ces gens-là étaient des pauvres gens désarmés. Bon, quand on connaît Israël et qu'on sait ce qu'est un kibbutz, Israël est une population en armes. Les hommes font 3 ans de service et les femmes 2 ans, ou faisaient en tout cas à l'époque où j'y étais. Et ce sont des gens qui ont leurs armes sur eux ou chez eux. Donc les kibbutz, c'était pas des gens désarmés. Il y a eu des combats, donc des gens sont morts dans des combats. Donc des massacres. Il y en a probablement eu, mais pas à l'échelle qui nous a été présentée et dans les modalités qui nous ont été présentées. Donc tout ça repose sur une fake news, et sur la base de cette fake news, on a tué aujourd'hui, à l'heure où on parle, 34 000 Palestiniens, des civils pour 80% d'entre eux, pour avoir quelques gars du Hamas, ils sont passés sur le corps de 34 000 Palestiniens tués contre 500 Israéliens, je le rappelle, et 76 000 blessés à l'heure où on parle. Et ça ne se sont que les gens répertoriés aujourd'hui, mais il y en a sous les décombres, c'est-à-dire que le montant des pertes est colossal. On est dans un rapport de 1 à 100. De 1 à 100, c'est-à-dire qu'on a la riposte a été disproportionnée et aveugle. Disproportionnée et aveugle. On n'est plus dans la riposte, on est dans le génocide. Quand on tue des civils, ils ont tué jusqu'à 227 humanitaires et 120 journalistes, pardon, 227 humanitaires. Et 120 journalistes. Bon, qu'est-ce que c'est que cette armée qui se prétend la plus morale du monde et qui commet des exactions pareilles? Ça n'est pas militairement acceptable. Aucune armée au monde ne devrait faire ça. Et la honte est pour ceux qui soutiennent ces gens-là, c'est-à-dire notre gouvernance qui a soutenu et nos politiques qui sont allés se prosterner aux pieds de Netanyahou pour lui donner l'allégeance de la population française, ils ont tout faux. On ne soutient pas un génocide comme ça, ça n'est pas vrai. Quand j'ai vu, y compris des partis d'extrême droite français, j'ai vu, ou de droite, Éric Ciotti, là-bas, à Gaza, ils sont allés soutenir l'effort de guerre israélien, l'effort de génocide israélien. Ça n'est pas acceptable. J'ai vu la présidente de l'Assemblée nationale, la macronienne. J'ai vu, accompagnée de l'inénarrable Meir Habib et de Marine Le Pen. Marine Le Pen a été aussi se prosterner là-bas. Bon, moi, je regrette, je ne peux plus supporter ce genre de politiciens
qui ne sont là-bas que pour aller récupérer des voix. Hein, ce qu'ils voulaient, c'est surtout que les médias ne les montrent pas du doigt comme étant ne les traitent pas d'antisémites. C'est la peur. Ils ont peur d'être traités d'antisémites. Mais attends, c'est pas parce qu'on est contre la gouvernance israélienne qu'on est antisémite. Moi, il y a des tas de juifs que je connais et que je respecte énormément, comme je vais vous en citer, hein, 10, John Mearsheimer, il est juif, et on a les mêmes thèses, Jeffrey Sachs, il est juif, on a les mêmes thèses, Max Blumenthal, il est juif, on a les mêmes thèses, hein, on est Norman Finkelstein, Jacob Cohen, etc., etc., je pourrais vous en citer des dizaines avec lesquels je suis en parfait accord, parce que ce sont des justes parmi les nations modernes. Ça existe, ça. Ça existe. Et donc, je ne mets pas, moi, toute la communauté dans le même panier. Je mets les génocidaires sont ceux qui dirigent l'État en Israël. C'est tout. Hein, et c'est une bande de mafieux, hein, la même que celle qu'on a décrite avant. Hein, c'est l'émanation des mêmes mafieux que l'on trouve en Amérique et qu'on trouve chez nous. Chez nous, on a les mêmes, hein. Et dans la bande, on les connaît, hein. On les connaît comme si on les avait fait. Donc, c'est pas la peine de les citer, hein. Ils se reconnaîtront eux-mêmes. Donc, si vous voulez, moi, je ne peux pas cautionner un génocide pareil, c'est-à-dire une répression fondée sur une fake news au départ. Ou j'appelle fake news quelque chose qui n'est pas exactement ce qu'on nous a dit. Hein, c'est-à-dire, c'est pas 1100 personnes massacrées dans des conditions abominables avec des viols comme si les gens avaient le temps de violer les gens qu'ils étaient venus chercher comme otages. Quand on va chercher des otages, pourquoi les Palestiniens sont sortis pour aller en Israël? Uniquement pour ramener des otages et pouvoir les échanger contre les 7000 Palestiniens qui pourrissaient dans les prisons israéliennes depuis des années, sans jugement. Hein, voilà ce qu'ils voulaient faire. Ils voulaient récupérer des otages. Ils ne voulaient pas tuer les gens. Et d'ailleurs, la plupart des otages qui ont été emmenés par eux et qui ont survécu, hein, ont raconté qu'ils avaient été particulièrement bien traités, hein, par leur geôlier. Donc, on est beaucoup moins bien traité dans les geôles israéliennes qu'on peut l'être dans les geôles palestiniennes. Ça, c'est clair et net. Donc, voilà. Dès qu'on aborde ce problème, l'émotion, pas que l'émotion, mais l'idée de revenir à la vérité des prix et à la vérité des choses me prend et je dis ce que j'ai à dire. Et personne ne m'empêchera de le dire. Et je ne suis pas le seul à le dire, je le répète, une large partie des justes qui peuplent aujourd'hui Israël ou l'Amérique, hein, pensent exactement ce que je pense et disent ce que je dis. Voilà. Bon, mais ce qui est suspect, évidemment, mon cher Dominique et cher général, c'est cette soumission de nos gouvernements à un régime suprémaciste, qui se revendique suprémaciste, basé sur une espèce de fanatisme de peuple élu. Comment vous expliquez Attends, laisse-moi finir. Tout à l'heure, tu expliquais que cette communauté contrôle la politique aux États-Unis et qu'à partir du moment où on contrôle la politique aux États-Unis, on contrôle la politique de tous les pays sous domination américaine. Alors, est-ce qu'on peut considérer que cette solidarité tribale de beaucoup d'élus de la République se base sur cette réalité, oui. Leur capacité d'influence. Oui, ils ont peur que les médias puissent se retourner contre eux, les traiter de tous les noms, et d'antisémites, bien sûr. Hein. Le mot antisémite, c'est une arme de destruction massive qui a été créée par comment il s'appelait, Ben Gourion, hein,
au tout début de la création des États d'Israël, hein, Ben Gourion s'est créé un certain nombre d'armes de destruction massive et de conquête du pouvoir mondial à l'époque où il a créé l'État d'Israël. Hein, il s'est doté donc c'est au moment de la création de l'État d'Israël que l'histoire de la Shoah a été finalisée et écrite. Cette histoire-là n'était pas tout à fait la même 2 ans ou 3 ans avant. L'histoire est écrite, hein, chacun le sait, par les vainqueurs, hein, et la manière dont elle est écrite ne reflète pas nécessairement l'exacte réalité. Donc, Ben Gourion a finalisé l'histoire de la Shoah et utiliser cette histoire pour culpabiliser les Occidentaux, hein, et pouvoir se servir de ça comme d'un levier. Hein. Tous ceux qui avaient la moindre chose à dire, on les traitait immédiatement d'antisémites et on faisait référence, bien sûr, à la Shoah qui devenait… Oui, ils ont commis une erreur stratégique majeure en commettant ce génocide. Parce qu'aujourd'hui, des génocidaires qui traiteraient n'importe qui d'antisémite seraient ridicules. Oui, grâce à ce qui s'est passé en Palestine, la parole a été un peu libérée. Hein, mais il n'empêche que Ben Gourion avait créé donc cette arme de destruction massive. Il en a créé une autre qui a été la conquête progressive des médias du monde entier, pas seulement. Alors d'abord en commençant par les États-Unis, mais également en Europe. Hein. Regardez, bon, je ne vais pas vous faire de dessin, hein, mais regardez qui tient les médias aux États-Unis, en France et dans toute l'Europe. Qui tient les médias, voilà. Donc ça c'est clair et net aussi. Hein. C'est pas moi qui le dis. Vous regardez les faits. Vous regardez les gens qui dirigent. Vous regardez les milliardaires qui contrôlent. Ils sont là et on a leur nom, on a tout. Et puis la troisième arme de destruction massive que s'est créée Ben Gourion, toujours le même, il s'est créé l'arme nucléaire à l'époque. Donc c'est lui le père de l'arme nucléaire, enfin le père, j'entends, celui qui a lancé le programme nucléaire, c'est Ben Gourion. Et donc avec ces trois armes, il a réussi à conquérir progressivement les pouvoirs aux États-Unis avec ce qu'on appelle les néoconservateurs, hein. Ils sont montés dans la hiérarchie états-unienne, dans les administrations, et ils ont pris le pouvoir aux États-Unis. Et regardez aux États-Unis aujourd'hui qui dirige les principaux ministères. Hein. Je vais pas vous sortir les noms et vous apercevrez qu'ils appartiennent tous, ils ont tous des liens avec l'AIPAC, America Israel Public Affairs Committee, et la plupart d'entre eux ont été inscrit au palmarès de l'influence du Jérusalem Post, hein, en Israël. Donc tout ça, c'est cousu, je ne vais pas dire que c'est cousu de fil blanc, hein, mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nos politiques, ils ont peur de ces gens-là. Ils ont peur parce qu'ils ont un pouvoir de nuisance terrible. Avec les médias qu'ils contrôlent, ils peuvent vous démolir une réputation, ils peuvent vous empêcher d'être réélu, ils peuvent, voilà, c'est ça. Et c'est pour ça qu'ils suivent aveuglément, et c'est pour ça qu'ils vont se prosterner aux pieds de Netanyahou, même s'il peut génocider qui veut. C'est pas un problème. On se prosternera à ses pieds parce que la réélection de nos députés, la réélection de nos ministres, enfin de notre exécutif, etc., ils sont tenus. Je ne rappellerai pas l'image de notre président tenu par la main par le président du CRIF. Hein, quand il essayait de récupérer sa main, hein, tout le monde l'a vu, ça. Tout le monde l'a vu. Et tout le monde sait qui tient, qui a tenu en force notre président sans qu'il moufte. Hein. Il n'a pas moufté. Alors peut-être qu'après il a râlé un peu, mais il n'a pas moufté sur le moment. Hein. Donc voilà. Moi, je vous dis pourquoi nos politiques et nos médias. Et nos politiques ont peur. Ils ont peur et c'est pour ça qu'ils vont se prosterner aux pieds de tous, de droite, de gauche. Le seul qui ne l'a pas fait, c'est la France insoumise. Bon, oui. C'est, alors, il me semble, pardon,
Pardon, général, ce qui est regrettable, évidemment, c'est qu'en soutenant un État qui est condamné par une centaine de résolutions de l'ONU, un État qu'on peut définir comme un État terroriste, parce que le comportement d'Israël est le comportement d'un État terroriste. Alors qu'un pays comme le nôtre, avec un président comme le nôtre, soit obligé de se soumettre même à la folie de Netanyahou, et en autre nom lui apporter un soutien non seulement politique, un soutien médiatique, mais aussi un soutien militaire, nous déshonore vis-à-vis de l'opinion publique mondiale. Il ne fera pas bon être français au Moyen-Orient d'ici peu, alors qu'avant, avec Chirac, on avait donné l'impression d'être un pays plutôt juste, plutôt équilibré. Ah oui. Aujourd'hui, on passe pour des complices du génocide. Et c'est ça qui est le plus grave. Donc, si la domination de cette tribu dont tu me parles est telle qu'elle pousse nos gouvernements à prendre des décisions qui vont à l'encontre des intérêts nationaux, c'est très grave. Oui, ça veut dire qu'il est urgent de les virer de toutes les façons possibles, de la plus démocratique à la moins démocratique, si tu vois ce que je veux dire. Alors, je ne connais pas ce théâtre, mais un petit retour sur l'histoire nous fait quand même rappeler que pour les deux entités, il s'agit d'un problème existentiel. Il y a eu plusieurs guerres d'Israël avec ses voisins. Ça, on ne peut pas l'oublier. Ceci étant, en tant que soldats, nous ne sommes pas des mercenaires, nous ne sommes pas des robots. La guerre, on peut la faire sans haine. On peut la faire en respectant les conventions, les traités internationaux, la population civile, ou bien on tombe dans les crimes de guerre et tout ce que l'on connaît comme atrocité. Bon, alors, dit quelquefois qu'une femme enceinte israélienne ne vaut pas plus, mais pas moins non plus, qu'une femme enceinte palestinienne ou française ou yougoslave. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, Israël, effectivement, se conduit comme un État terroriste. Le Hamas, c'est pas moi qui vais le dire, il a également pratiqué ce genre de gouvernance. Mais la France, lorsqu'elle a bombardé la Serbie pendant 78 jours au prix de 3000 morts avec nos alliés, c'est conduit aussi un État terroriste, de même que les États-Unis. En fait, tous les États, à un moment ou à un autre de leur histoire, ils sont conduits à un État terroriste. Sauf que nous nous réclamons d'être une démocratie, il y a des choses qui sont inacceptables. Et en particulier, la manière dont la population de la Palestine est traitée est insoutenable. On ne peut absolument pas excuser ou même expliquer le comportement d'Israéliens. Encore une fois, je ne les connais pas, mais c'est le soldat qui parle. Un soldat est en quête de vérité. On ne peut pas se voiler la face, parce que notre vie est en jeu, celle de nos subordonnés, et aussi celle de nos adversaires ou de nos ennemis. Un prisonnier est traité avec certains égards. On ne peut pas faire n'importe quoi. Et à ce titre, évidemment, je me scandalise au même titre que Dominique le disait précédemment. Il y a d'autres sujets que j'aurais souhaité aborder avec vous, mais on est à 1h30 d'émission. En tout cas, j'avais promis à une de nos internautes qui regarde régulièrement TVADP de vous transmettre la question. Alors, en conclusion, et si vous pouvez, s'il vous plaît, me donner une réponse brève de celle comme celle que vous m'avez donnée tout à l'heure, en général, ce serait gentil. En l'occurrence, elle voudrait connaître l'état de santé de l'armée après l'opération vaccinale. Et puis, vous demandez si vous avez vu la vidéo des jeunes de NextDose qui ont expliquer ce que contient la nanotechnologie
qui est contenu dans ce soi-disant vaccin? Ben déjà, ce qu'on peut dire, c'est que ce mal nommé vaccin se produit, comme il est appelé dans les contrats qui ont été dévoilés par l'Afrique du Sud, ce produit, en fait, n'a toujours pas d'autorisation de mise sur le marché. Il faut vraiment ouvrir les yeux à ceux qui ont une, deux ou trois doses. Après 3 ans, ce produit miraculeux est toujours suspect. Alors, dans l'armée, évidemment, on n'a pas de chiffres précis. Ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a quand même des résistances ou des hésitations à l'engagement, ce qui fait que les armées ont du mal à recruter. Il y a un certain nombre de départs, et sans qu'on puisse le quantifier, en tout personnage, je ne peux pas le quantifier, je sais que beaucoup sont persécutés par cette obligation vaccinale qui est une immense hypocrisie, parce que on ne l'écrit pas strictement. C'est un peu comme pour les gens qui injectent. On sait très bien aujourd'hui que le responsable d'un effet secondaire, c'est celui qui injecte. Ce n'est pas l'ARS, ce n'est pas le ministre, ce n'est pas le président. Donc, c'est toujours le campagne de service. Or, dans l'armée, celui qui refuse cette injection sur laquelle, je pense, on ferme de plus en plus les yeux, est quand même plus ou moins placardisé. Voilà. Alors, quant aux effets secondaires, je n'ai pas de chiffres avérés. D'accord. Bien. Général Coustou, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Général Dominique Delawarde, tu sais à quel point je suis heureux de te voir. À chaque fois, on a d'autres émissions de prévues ensemble. Si tu te souviens, on doit refaire une émission avec Tariq Ramadan et Jacob Cohen. Continuer un peu notre explication. J'aurais voulu qu'on parle de la riposte iranienne ce soir, mais on est déjà à 1h33. Dominique, est-ce que tu peux nous faire un résumé de 3 minutes sur ce qui vient de se passer avec l'Iran, de manière à ce qu'on n'occulte pas le sujet? Non, l'affaire de l'Iran, bon, l'Iran a montré par sa riposte qu'elle était capable de viser des points précis, donc elle avait à la fois la longe et la précision pour viser des points précis en Israël. Il est certain qu'elle a préparé et qu'elle avait annoncé pratiquement à tout le monde, y compris aux pays voisins, de manière à ce qu'ils ferment leur espace et pour éviter des problèmes avec la circulation aérienne. Elle avait largement annoncé son opération, ce qui était devenu un secret de polichinelle. Ce qui fait que ça n'a pas eu d'impact militaire énorme sur Israël, mais ça a un impact psychologique, c'est-à-dire qu'Israël sait désormais que l'Iran est capable de l'atteindre en portée, de l'atteindre en précision et de multiplier par 10 ce qu'elle a fait ce jour-là. Et à ce moment-là, le chiffre donné par les Israéliens de 99% de missiles détruits, qui est probablement faux, évidemment, exagéré, un peu de propagande de guerre, ça fait de mal à personne, mais ce chiffre-là, en cas de tir de saturation, ne pourrait jamais être atteint. C'est-à-dire que Israël pourrait avoir beaucoup plus mal qu'elle n'a eu. On va dire que c'est une opération à la fois de représailles modérées et retenues, je veux dire. Elle n'a pas lâché tout ce qu'elle aurait pu. L'Iran n'a pas lâché tout ce qu'ils auraient pu lâcher. C'est un avertissement solennel en disant aux Israéliens, faites attention à ce que vous faites parce que on n'est plus des gamins. Et cette fois-ci, on ne se laissera pas faire. Et donc, maintenant, on en est à un point où les Israéliens pourraient riposter. On parle de cette nuit ou demain. Il va falloir qu'ils fassent très attention au niveau de leur riposte parce que c'est sur ce genre de riposte qu'on peut déclencher un engrenage. Donc, pour l'instant,
J'espère qu'il n'y aura pas d'engrenage mauvais pour l'ensemble de la planète, hein, mais je n'en suis pas sûr, parce que les gens au pouvoir à Tel Aviv étant ceux qu'ils sont, c'est-à-dire les Smotrich, Galant, Netanyahou, ce sont des fous furieux, des zélotes, hein, avec l'esprit Massada, hein, c'est-à-dire mieux vaut le suicide à la défaite, hein, donc ces gens-là sont dangereux, et on va voir ce qui va se passer, mais je suis même pas sûr que les États-Unis réussissent à les calmer, à les modérer, parce que les États-Unis ne tiennent pas du tout à l'escalade, hein, donc j'espère qu'il n'y aura pas escalade, mais je n'en suis pas sûr. Bon, eh bien, ce sera ta conclusion, et la conclusion de l'émission, la prochaine, sera consacrée à l'avenir d'Israël. Israël a-t-il un avenir au Moyen-Orient? Je pense que la question vaut la peine d'être traitée. Mon général Koustou, bonsoir, merci encore d'avoir été parmi nous. Mon cher Dominique, merci de ta participation, elle est toujours brillante. Je vous dis à bientôt, vous ne quittez pas parce qu'on a d'autres programmes. On va être un peu obligé de raccourcir la programmation ce soir parce qu'on a été un peu plus long que prévu. Mais il y a des choses intéressantes qui vous attendent sur TVADP. Alors transférez-vous de YouTube sur tvadp.fr. Bonsoir à tous, merci. Allez, au revoir. À une prochaine. À une prochaine.